J'avais oublié de refaire la VOD. Bonjour VOD, on est là. J'ai pas trop de balles. Peut-être bien que je me fasse des balles avant, mais j'ai ça quand même. Et là, je vais peut-être mettre le module feu sur mon arme si je peux. Il m'en reste. Allez, je vais péter un câble à force de faire des trucs que je veux pas faire. J'en ai plus, je crois. Si. Je mets sur ma lame. Calme-toi. Analyse de la zone d'exposition. Module tête. Ah là, il possède ces cadavres-là. Envoie des coordonnées. Évaluation d'intégrité. Putain, ce qui fait sombre. Allez, elle est morte. Ah oui, elle est morte. Normalement, elles sont plus rouges quand elles sont mortes, mais là... Et voilà, là, il vient de posséder un corps. Fait chier. Allez. Oh merde. Oh, tous les corps. J'arrive pas avec les touches. Hein. Et on voit rien en plus. Un sup. Est-ce qu'il faut que je les scanne aussi et je saurai à quoi ils sont sensibles? Bloqué. C'est bon. Avance! Je vais mettre sur le peu bon. Non! Je tourne de touche! C'est affreux! Allez, c'est ça. Allez, on fait ça. Allez, on fait ça. Allez, on fait ça. On défonce. J'en ai plein. Oh, ça va être sympa, hein. On va passer une bonne journée. Bonne soirée plutôt. Bon. Oh là là. J'ai peut-être... Il me manque peut-être du matos. Qu'est-ce que je fais moi? Moi je m'en vais là. Moi je m'en vais juste. Le truc électrique ça peut peut-être aider, remarque, parce que ça j'ai pas besoin de balles donc je vais reprendre ma petite arme électrique. Oh là, tout ce qu'il faut. Eh oh! C'est chiant là! Je me mets... C'est loin! Ça m'énerve! Voilà. Oui, je râle sur la distance. C'est agaçant. Non mais j'ai pas un point de sauvegarde à cet étage. Évidemment que non. Faut que je descende, ça me saoule.
Sensible à quoi? Bah j'ai pu scanner vite fait, mais bon, d'hab on a un temps de fou. Mais en vrai ils sont sensibles au truc élémentaire, j'ai l'impression. Il faut que je trouve un endroit de sauvegarde, un point de sauvegarde, voilà ici. Hop là. Ok. Je vais pas prendre la projection de polymère, je vais prendre la glace. La glace ou en vrai la télékinésie de masse, ça pourrait être trop utile. Peut-être prendre télékinésie de masse et glace. Je veux. Tu rescans, je refais un screen. Ah mais t'as vu? Mais j'ai vu qu'il y avait feu et il me semble qu'il y avait glace. Encore histoire de Sam, ça. Sam, sûr. C'est pas ça que je voulais faire, c'est un. C'est un. Sam Dayut. Faut que j'aille dans mes... Voilà, là-dedans. Encore une... Ça, c'est quoi? C'est encore des trucs de Kalachnikov dont j'ai pas besoin, ça? Mais j'en ai jamais eu de Kalachnikov, je comprends pas. J'ai pas de plan non plus et j'ai des missions tout le temps. Regardez, ça, c'est que de la Kalach, tout ça. N'importe quoi. Il faudrait une petite capsule, mais je vais prendre une de glace que j'ai déjà. Non, ça c'est électricité, ça. La glace. Ok. Le stockage, ça pourrait être un coffre à côté ou pas? Ça m'arrangerait parfois. Je la garde parce que j'aurais peut-être utilisé un jour. Regardez ça pour quand je trouve des munitions. Il a... Une infinité de vannes sur les Sam. Toutes plus originales les signes que les autres. Ça me saoulait de me taper ça à chaque fois. Voilà. Je garde mon petit tube parce que ça au moins c'est des balles gratuites. Enfin, c'est des illimitées plutôt. Oh non! Et voilà, je lui ai laté le cul. Gimme! C'est par où? C'est par là-bas.
Ok, on va voir avec ce qu'on a. J'ai pris... Mini, c'est l'heure de faire tourner la machine. Ma bonne machine. Analyse de la zone d'exposition. Module tête détectée. Envoie des coordonnées. Putain, ce qui fait sombre. Vite. Et là, je fais ici. Arrête, dégage! Allez! Oh, elle est nulle cette arme. Faut vraiment que je la change, elle est à chier de fou quoi. Allez! Bon, c'est bon, il y en a plus? Sûr que si, mais bon. Ok, attends le jeu. Je me concentre. Ok. Il arrive, il était pas là tout à l'heure. Oula, qui ça lui? Ah oui, le robot. Bah c'est qu'il y en a qui tournent dans le coin. Il y en a qui tournent. Pas le temps de scan. Ah ouais, j'avoue, j'ai tellement pas le temps. Et je devrais faire ça. C'est une bouboule, mais ouais, mais je la trouve pas. Analyse de la zone d'exposition. Module tête détecté. Envoie des coordonnées. Putain, ce qui fait sombre. Je suis coincée par quoi, bordel? Elle est pas morte, cette putain de plante. J'adore être coincée par un truc, mais qui est impossible à le voir. Il y en a sûrement une. C'est trop dur. Trop dur de les scanner. Mais attendez, là j'avance toute seule, là mon perso avance toute seule. Ah oui d'accord, tout à l'heure il avance toute seule, je me dis mais j'arrive pas à contrôler. Ok, on va essayer de faire, faire avec. Vraiment pas facile. Mon perso avance tout seul. C'est pour ça que je me coince. Je vais sauvegarder et je vais, je sais pas, quitter. Yo, exterminate!
Bisous à thé. Bisous à thé, j'arrive. Je me mets là où je peux, dans une safe zone, je sauvegarde. Puis bah, je lance le jeu, j'en sais rien. Non mais arrête! Vraiment, ça, il fait des trucs tout seul! Je t'en supplie, arrête! Non! Arrête! Non, ma manette en plus elle bouge pas depuis tout à l'heure. Alors attendez. Peut-être si je la débranche. Ah voilà. Ça va peut-être calmer un peu. Eh ben dis donc, c'est compliqué. Alors la question pas culture, elle est où? Elle est là. Ah non, j'ai ouvert la boîte à l'envers. Bah, c'était quoi l'endroit? Ah c'est comme ça. Alors question pop culture, attendez, je vais tout de suite. C'est sûr, c'est des questions genius. Ok. Non, vous allez pas savoir ça. Non, mais ça a l'air d'être trop vieux. Allez, je la mets plus bas, on la fera peut-être, mais là, ça a l'air d'être trop old. Hein. Alors, question série TV. Si vous êtes un tueur en liberté à Miami, quel prénom porte l'expert en médecine légale dont vous devez vous méfier? Pardon, j'ai eu bizarre parce que je me suis dit, bah, c'est... Bref, bon, tout le monde le sait, mais voilà. Quel est le prénom de Dexter? Dexter, évidemment. Horatio, pourquoi pas. Là, c'était facile. Dans Stranger Things, quel est le nom? Quel est le nombre? Ah, d'accord. Ah, pardon. Quel nombre est le nom d'un des héros? Mais c'est trop facile, ça. Je vais vous en dire un autre après. Enfin, je vais voir si vous l'avez, en fait. Quel est le... Dans Stranger Things, quel est le... Quel nombre est le nom d'un des héros? Monsieur Kane, les experts à Miami. Oui, non mais c'est Dexter. C'est-à-dire qu'un tueur à Miami, il peut se méfier d'un... Et en plus, là, c'est même pas ça, il disait l'expert en médecine légale. Voilà. Coucou, Brice. 11, tout à fait, 11. C'est pas ça la question? Non, c'est pas ça, Sam, c'était Dexter. Si vous êtes un tueur en liberté à Miami, quel prénom porte l'expert en médecine légale dont vous devez vous méfier? C'est Dexter. Bravo Brice, bravo Killer. Et non, c'est pas 42. Je vais vous en dire une, parce que cela a été un peu facile peut-être, je trouve. Question jeu vidéo, ce sera moins simple, hein. Hop là. Warcraft 3, Reign of the Chaos, vous permet de jouer avec une nouvelle faction en plus des humains, des orques, des elfes de la nuit. Quelle est cette nouvelle faction? Voilà. Ken est un expert en métier légal à Miami, ça aurait pu... Oui, mais se méfier pour pas te faire emprisonner. Mais dans Dexter, il doit se méfier pour sa vie. C'est plus élevé, je pense. Mort-vivant, gobelin, mort-vivant, suppositoire. Nous allons voir ça tout de suite. Ah oui, il y avait les ogres, les morts-vivants ou les nains. Donc ce sont les morts-vivants. Bravo. Bravo. Allez, une dernière, parce que c'est la fin de la carte, comme ça après je la range. Quel jouet a incarné en jeu vidéo les héros issus de Batman, Star Wars, Indiana Jones ou encore Harry Potter? Quel jouet a incarné en jeu vidéo les héros issus de ces sagas susmentionnées? Lego, tout à fait! On retrouve aussi ces fameuses pièces en plastique de plus en plus au cinéma. Tout à fait, tout à fait. Reign of the Chaos est sorti en 2022. Voilà pour la question pop culture. Hop là. On est part pour la suite de nos aventures. C'était là-haut. Donc on avait fait la pièce, faut que maintenant je la fouille. Et franchement, j'en suis bien sortie avec mon bug clavier.
Mais oui, je pense que ça a perturbé un peu le jeu. Que la manette soit connectée et le clavier. Susmotionné ? C'est quoi ça, un sionné ? Susmotionné ? Chacun peut donner un petit nom. Hein. Alors. Là-bas. Moi, je veux du coffre. Laisse-moi passer ! Oh, mais c'est une station sous-marine ! J'aime bien. Je vois rien, hein, par contre. Et heureusement, moi, je mets toujours la luminosité plus élevée que ce qui est conseillé par, pour le jeu. Et toujours même bien plus élevée. Et regardez. Comment on voit sombre, quand même. Je sais que c'est plus ou moins fait exprès, mais c'est chiant, en fait. Un jeu, c'est quand même très visuel, quoi. Quand tu enlèves ça, bah, faut un peu compenser. Bah, pas de quoi compenser, bah, ça va pas. Ah, mais c'était que... Ou pas ? Pas, je vois rien. Je peux pas savoir, c'est dégueu. Hop, petit loot ici. Le bouton rouge. Le complexe Neptune est une ville sous-marine bâtie au fond du lac Azur en 1944. C'est un centre de recherche unique dont la tâche consiste à travailler avec des stations de traitement d'eau utilisées dans la production de polymères. Sa structure et la précision sans égale. Il y a des poissons, il y a la baleine. Ont tellement impressionné la communauté mondiale des ingénieurs qu'en 1954, des investisseurs internationaux ont demandé à des spécialistes soviétiques de bâtir une autre cité sous-marine au large de l'Islande. Mais on est sous l'eau ! Mais c'est trop fort ! Ah, oh, c'est trop fort ! Moi, je veux bien, mais je veux savoir ce que je mets dans ma bouche. Simplement, voilà, c'est purement informatif, quoi. C'est important quand même. Bon. Et ben, pendant que vous vous demandez ce que c'est qu'un sionné, moi j'avance. Je vais là-bas, il y a un coffre. Ouais. J'ai fait plein de fois ce coin-là et j'ai jamais fouillé ce coffre. C'est fou ça. Peut-être aller sauvegarder. Ouah non, j'ai looté 2-3 trucs. Ah bah voilà. Sauvegarde en cours. Un verrou. Ça sent la salle du loot. Ah ! Mais c'est pas du loot ! Ah ! Mais je me fais bully ! Mais niège ! Attends. Je la démonte, moi ! Calme-toi. Ok. Putain de méchoui. Bah où est-ce qu'on sort de ce bordel? Arrête de raconter des trucs chelous là. Mais attends, c'est la suite là du coup et ça. Oh, c'est beau. Bon, je peux pas y aller. Ça tombe bien. J'aurais pas su où aller du coup. Maintenant je sais. Il y avait un truc à loot, là. Ok, on va aller par là. Oh. Petit vu toi. Ça a l'air bon. Allez go! Tout
Et je vois rien encore. C'est vachement sympa de plonger le joueur totalement dans le noir. C'est où que je fais des trucs? Ah, fallait que je lève la tête, je l'ai pas levé au bon moment. C'est pour ça. Oh non, le héros il parle de mes chouilles tout le temps, je ne sais pas, il a une obsession. Là, je te défonce. Et où est l'entrée? C'est quoi qui me casse la gueule? Malheureusement, je n'ai pas cette information. Je cafouille quelque peu depuis le dysfonctionnement. Sans deck, Sherlock. N'avez-vous pensé à faire... Non mais les déplacements n'ont rien de naturel en fait. Ça peut bien nous servir. Aucune idée, ce n'était qu'une suggestion. Bah, qu'est-ce qu'on risque? Pas comme si on avait le choix. Tereshkova, où est la salle du générateur ici? Je me fais péter la gueule! Vous pouvez arrêter de discuter pendant que je me fais péter la gueule, j'ai un petit peu du mal à me concentrer! Décidément, quand ça veut pas... Bon. Ah! Ça lui aurait fait! Ça lui aurait fait! Faut que je me cache et faut que je scanne! Attendez, je sais plus comment on scanne! Oh non! Il y a trop des méchants! Attendez! Je souhaite au moment. Comment on scanne? On scanne, le scan. C'était quoi? Les contrôles? Non. Attendez, le scan. La tab. Non. Comme à chaque fois. Le scan, c'est Alt. Ah oui, c'est vrai, c'est une super touche. Enfoiros. Franchement, je dis qu'il y a enfoiros quand même. Hein. Vous êtes tous des enfoiros. Regardez! Mais c'est n'importe quoi! Tellement chiant ces dialogues en personne maintenant, c'est pour ça que je regarde le stream maintenant, j'ai abandonné l'idée de jouer. Tu sais que je vais péter un câble, ça parle non-stop, mais oui! Et toujours au pire moment, déjà tu peux effectivement sur la moitié du temps pas te concentrer dessus, et quand t'essayes de te concentrer dessus, ça fait comme plus vraiment, ouais... Comme des gens qui parlent pendant que tu regardes un film. Ça te déconcentre comme ça, même quand t'es dans des moments un peu chill de loot, parce que en fait t'es constamment en train de découvrir, t'es pas... C'est pas un jeu où tu vas... Enfin c'est... Il y a un petit côté open world, mais c'est un jeu assez linéaire, donc tu passes ton temps à chercher et tout ça. Donc en fait, non, c'est ultra, ultra chiant. Et puis, il y a beaucoup de name dropping, du coup, ça rend pas le suivi très facile. Et encore une fois, mais c'est débile. Enfin, tu racontes pas un scénario comme ça, c'est nul. Dans ce cas-là, bah autant fournir... Fournir un gros fichier audio, au joueur à côté et dit tiens voilà, c'est ça notre scénario. Parce que c'est exactement ce qui se passe là. Hein. Non, si, on en a un, promis. Il est sur MP3. c'est la base du scénario sur MP3. De quoi des cinématiques? Bah non, on peut faire ça. Expliquer dans le jeu avec de l'action et tout, mais ça nécessite de faire autre chose que du pampan. Nous c'est pas notre but hein. Fais chier, où je suis censé trouver cette foutue tête? Vous devez vous rendre dans la salle Icar qui se trouve au premier étage. Et où est l'entrée? Malheureusement je n'ai pas cette information. Je cafouille quelque peu depuis le dysfonctionnement. Sans deck, Sherlock. N'avez-vous pensé à faire démarrer le Beluga? À quoi ça peut bien nous servir? Aucune idée, ce n'était qu'une suggestion. Bah, qu'est-ce qu'on risque? C'est pas comme si on avait le choix. Et arrête de dire non pour dire oui tout de suite après, mec, tu n'as aucune crédibilité, tu fais que râler, je te déteste. Ah! Génial, on a été coupé. Décidément, quand ça veut pas... On a été coupé, alors tais-toi, arrête de parler, vu que plus personne t'entend, à part moi, et je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas! Je
Ok, ça marche pas. Ok. Oh, j'ai peur. En fait, faut pas que je me batte sous cette... ce truc là. Allez, du coup il veut me péter la gueule parce que j'ai soi-disant fait mal, c'est trop pas vrai. Mince, je suis plus silencieux. Ça va m'énerver ça. Viens un peu ici, saloperie. Oh non! Non, c'est ça que je voulais. Fait chier, c'est ça que je voulais éviter. Bon, au moins j'ai pu faire step by step. Non! Je me suis trompé aussi, c'est pas grave, on se trompe, Et vous, pareil, ça me tue. Oh non, mais non, toi, dégage! Ta gueule! Les caméras, c'est ce qui me tue, c'est littéralement ce qui me tue, c'est des caméras! Oui, n'importe quoi. Tu n'as plus de visage, mec. Au bout d'un moment. Ok. Chaque salle est un nouveau plaisir. Vache. Je vais ouvrir cette porte pour aller sauvegarder. Allez, sauvegarde, putain, tu plies. Sauvegarde en cours. Un bout de fond, tu peux pas te concentrer ni sur ce qu'ils disent ni sur le combat. C'est ça en fait, tu peux te concentrer sur rien. Parce que forcément ça demande ton attention, sauf que le jeu te demande plus d'attention normalement. Bah là ça marche pas. C'est très chiant hein. Pourquoi on m'explique le lore en audio? Pourquoi on me le montre pas? Je préférais des fois une petite vidéo qui montre du lore, tiens. Plutôt que d'avoir de l'audio constamment. Blabla derrière moi, derrière mon oreille en me disant... Et en fait t'es pas au courant pour Jacqueline, elle est pas très sympa en fait. Oui, mais bon. Il paraît que... En fait, c'est ça. C'est une grand-mère dans ton oreille qui te dit des trucs. C'est ça. C'est exactement ça. Je vais enlever la réverb. Ou alors, des fois, qui te donne l'historique. Tu savais que cet avion a été fait en 1972 par Eric Duron? Mais il est devenu cocaïnoman et il a fait une overdose chez lui après le départ de sa femme. Tu veux d'autres infos utiles? Voilà, c'est exactement ce que je ressens quand ils arrêtent pas de me parler et de me raconter le lore pendant que je joue. Pardon, j'avais des trucs à faire, j'avais des trucs à fouiller. Ouais, vous vouliez quelque chose? Non! C'est bon.
Bon, allez, c'est pas tout ça. Ça va bien maintenant. Les gars qui me racontent leur vie là, j'en ai plein le huc. Hein. J'en ai plein l'air train. Donc ce bout de sa vie, non, ça va. Mais en fait, le gameplay du jeu me plaît. Mais leur manière de d'expliquer le lore, l'histoire, tout ça, ça me plaît pas. Ça me pose problème. Voilà. Attendez, faut peut-être que je me refasse du soin, maintenant que j'y pense. Oh, je viens de sauvegarder. Au pire, s'il se passe des trucs, je serai dégoûtée. Et puis voilà. Non, mais j'y vais. Allez. J'ai sauvegardé. Je viens de sauvegarder. Et je me dis, j'ai oublié un truc. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai oublié un truc. Là, moi, je pense qu'il va y avoir... il va se passer des choses. Ah ouais, j'ai oublié comment on fait. On fait ça. Après, on fait ça. J'oublie. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Attention. C'était en fait quelque part dans... C'était quoi le problème avec les vrais connecteurs bêta? Comme on s'en fout. Comme était à l'origine conçu sans droit discrétionnaire, tous ses partisans étaient censés être égaux. Je sais, on en a déjà parlé. Alors pourquoi il leur fallait des appareils bêta? Afin de sécuriser collective contre les menaces provenant de ceux qui voulaient en prendre le contrôle. Impossible, on est tous égaux dans collective. Merde. En plus, un l'autre, franchement, on a un personnage, tu te demandes s'il a 74 ans ou 8 ans et demi, selon ses répliques. Cela pourrait causer des pertes humaines, ce qui serait inacceptable. Et en quoi les connecteurs bêta empêcheraient ce genre de truc? Ils n'ont pas conféré de droits discrétionnaires à leurs détenteurs, mais ils leur ont permis d'être présents au sein des collectives, sans en faire partie. En d'autres termes, ils étaient pleinement autonomes, tout en ayant accès au réseau. Et alors? En gros, c'est ce qu'on a en ce moment. Vous n'avez qu'une perspective humaine sur la question. Comment mais ça, odieuse perso, perspective... oui. Oh putain. Alors le pas... Ah, tais-toi, hein, voilà. Attention danger. Vlad a entendu dire que le beluga suspendu dans la salle d'exposition, c'est ça qu'on va essayer d'activer, était équipé d'un moteur et de tout le matériel pour le rendre fonctionnel. Vous imaginez ce qui se passerait si quelqu'un appuie sur les mauvais boutons, hein? Au mieux, il risquerait de faire effondrer le pur, de faire effondrer le mur, pas le pur. Alors, je ne peux même pas imaginer le pire. Enlevez-moi ce moteur tout de suite et installez des barrières où je vais vous expédie à Vavilov. Les salles de métamorphose constituent l'étape suivante dans le... Attendez, faut faire une fois un petit peu d'annonce. Les salles de métamorphose constituent l'étape suivante dans le développement de l'industrie et des logements soviétiques. Très prometteuses, nos conceptions de bâtiments mobiles tiennent compte du cahier des charges complet. Résistance au vent, stabilité face aux tremblements de terre et même besoin des résidents de se détendre pour travailler confortablement. Tous les horribles vestiges de l'ère capitaliste, comme les appartements communs, les baraquements de travailleurs et autres fourmilières humaines, hérités par l'Union soviétique de l'État. Tsariste déchu, ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. C'était une phrase. Non, n'avait deux. Elle n'avait trois en fait. J'ai l'impression que c'était très très long. Note au guide, les motels d'exposition sont actuellement en cours de restauration. Aussi, les visiteurs sont-ils autorisés à voir les salles métamorphoses les salles métamorphes. Mais ils n'ont pas le droit d'y rentrer. C'est pour ça que c'est fermé en cas. Hein. Les contrevenants seront blessés, tués... éradiqué sur 5000 générations. Je vais désactiver. Vous voulez donner des bacs bêta à des robots pour que personne d'autre puisse les contrôler? Non, mais ça dégoûte. Le docteur Sechenov avait l'intention d'ordonner à ses jumelles loyales de garder le connecteur Alpha. Tant qu'il était connecté au collectif, il pouvait connecté au collectif de connecteurs et personne de la collectivité ne donner d'ordre pour les collectibles. Il ne savait qu'ils existaient. C'est ça ma collection. Minute. Il y a un truc que je pige pas. Ça serait sûrement possible pas qu'un. De lancer collective avec tout le monde bouton à égalité, puis de détruire le connecteur Alpha. Certainement, mais cela amène vite une autre question. Qui faites-moi partir de cet audio insupportable. En êtes-vous sûr, vite Major? Bah oui. Enfin, je veux que le lore se taise. J'ai un chargement, je ne devrais pas bouger dans tous les sens. Jouer un perso que je déteste. C'est vrai que c'est pas facile de jouer un perso qu'on n'aime pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus, on aperçoit qu'il parle beaucoup, que beaucoup sa gueule. Il faudrait qu'il soit plus discret.
Oh bah dis donc, je me suis loupé ça. Ah oh. Non mais j'essaie de... Un petit soin hein, un petit soin, oh, un petit soin. Mais il me tue à travers les palissades. Qui fait ça? Moi je suis outré moi. Moi je ferais pas ça. Moi c'est pas le truc que je... genre de truc que je ferais hein. Ça se fait trop pas. Les vrais connecteurs d'État. Comme Collective était à l'origine conçu sans droit discrétionnaire, tous ses partisans étaient censés être... Comment égaux. Ça, Jean 20? On en a déjà parlé. C'est pas Jean 20. Alors pourquoi il leur fallait des appareils bêta? Afin de sécuriser Collective contre les menaces provenant de ceux ça qui... Ça déclenche les Rocket Queen. Ouais. Tous égaux dans Collective. Oh non, on en est là. Collecteur Alpha. En effet, des intrus ou une force d'opposition pourraient tenter de s'emparer du connecteur Alpha. Cela pourrait causer des pertes humaines, ce qui serait inacceptable. Et en quoi les connecteurs bêta empêcheraient ce genre de truc? Je vais sauvegarder après la diatribe insupportable. Mais ils leur ont permis d'être présents au sein de Collective, sans en faire partie. En d'autres termes, ils étaient pleinement autonomes, tout en ayant accès au réseau. Oui, tu devrais attendre la fin du blabla, voilà, exactement. C'est ce qu'on a en ce moment. Vous n'avez c'est pour ça que je m'arrête là. Sur la question. Comment ça, une perspective humaine? Comment ça? Alors le patron voulait donner des bacs bêta à des robots pour que personne d'autre puisse les contrôler? Le docteur Sergeyev avait l'intention d'ordonner... Non, il va pas faire ça, non! No, God! Tant qu'il était connecté au collectif... No, God, please, no! No! Et personne d'autre ne pouvait leur donner d'ordre... No! Nul ne savait qu'ils existaient. Minute. Il y a un truc que je pige pas. Ça serait possible de lancer Collective avec tout le monde à égalité, puis détruire le connecteur Alpha? Certainement, mais cela amène une autre question. Qui pourrait vouloir cela? Le docteur Sechenov. En êtes-vous sûr, camarade Major? Oui. Enfin, je crois. Merci. C'est nul. Oui, on s'ennuie. Enfin, on s'ennuie, ça saoule. Même, c'est même pas de l'ennui en fait, c'est que ça saoule. Et moi, le beluga, c'est pas ça, dites-moi. Je peux pas aller dedans, en vrai. Oh bah non, hein. Y'a pas un gros bouton rouge activé? Moi, ce sera plus tard. Ah bah si, là. Le beluga. Et le submersible polyvalent le plus rapide du monde. Ok, je me tire, j'ai compris. J'ai compris, le jeu il veut pas être sympa, j'ai compris, j'ai compris. Bouton rouge. Ça va, Royal? Ces dernières années, nous avons appris plus de choses sur les fonds marins qu'au cours du siècle précédent. Si. Moi, je veux boire un peu de coca. Merci. Je pense qu'on ferait mieux d'explorer les fonds marins. Oh ouais! Oh ouais, moi ça m'intéresse trop les fonds marins. Je pense qu'on ferait mieux d'explorer les fonds marins plutôt que l'espace. Si vous le dites. Et pourquoi donc? Parce que c'est trop bien. Il vaut mieux connaître son jardin avant d'aller voir chez les autres. Ouais, elle qui sature? Ah, tu l'as entendu saturer? Bah non, mais c'est pas possible, il est là-bas. Il y a eu un bruit de saturation? Si, t'as pas vu où il était? Il est dans le frigo, mais il est au niveau des étages. Plus de bière, moins de coca. Ouais, j'en ai quelques-unes en plus, là. Je me suis prise de petites encore d'un... Bon, j'allais dire d'un studio, mais d'un... Oh. D'un... Un tout petit peu... Merci, c'est beau. Bien, tu planques la bouffe. Mais non, c'est qu'il n'y avait pas la place là où on la met d'habitude. Parce que j'ai remis d'autres trucs et du coup, il n'y avait plus de place. Et du coup, je l'ai mise ailleurs, la bouteille. Mais non, se planque pas. Je me planque pour manger, par contre. Ça, je faisais quand j'étais jeune.
Maintenant, je n'ai plus rien à taper. Ah oh, si, je me planque pour manger sur le live quand même. On n'est pas des bêtes. Et si je vais dans le... ça. Oh, mais ça déchire. Ah, Je me fais taper. Je peux pas me heal dans le polymère. Oh, je peux pas me heal dans le polymère. Je suis tellement... tellement dans la gigasauce. Et toi. Oh, je sais ce que je vais faire. On s'en fout, on se cache pas. On s'en fout. Hop là, on passe, on fait tac, tac, tac. J'ai vraiment aucune des deux. Voilà. Brasseur, merci, des brasseries. Des petites brasseries. Enfin, brasserie. Oh ouais, des maltisères. Vous entendez, ça fait des bruits de maltésiens. ASMR maltésère. Alors attendez, fallait que je mette mon portable, non, si on chute. Bah il s'active pas, silencieux. Annie. Mon téléphone il rame, faut que je redémarre, je pense. Bon. Aucune idée de ça marche. Je sais si ça a marché. Trop chiant. Moi j'ai aucun problème à manger devant toi. Moi j'aime pas manger devant les gens moi. Hop là, je vais mettre le petit matériel là-dedans. J'avais ça là de tout à l'heure. J'avais mis ça sur mon bureau tout à l'heure et ben j'ai bien fait. Ok. Bon. Faut que j'aille où exactement en fait? Non parce que bon, c'est bien mignon, machin, beluga, mais pour le moment... je tourne autour mais je fais rien. Ah, je vais peut-être chercher le moteur. Tu manges tellement délicatement un par un et tout, moi j'aurais pas fait ça en deux poignées. Ouais, ouais, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi, les maltésers, les trucs comme ça, des fois, même je les croque et je les mange en deux fois. Voire en trois fois. On fait ça comme un écureuil. Donc, il y avait de la musique dans cet ascenseur. On n'a jamais pu trop s'en rendre compte avant. Bon, s'en rendre compte. Putain, s'en rendre compte. Oh, mais il y a un coffre. Oh, je peux pas l'ouvrir. Il peut. Rien à battre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre. Putain, j'arrive pas à monter. Oh la vache. Je vais où? Je fais quoi? Ah la vache! Ok, je suis là. Sûrement que je fasse un truc ici, mais je sais pas quoi. Ok. Oh, mais c'est impossible en fait! Allez, allez, saute! Allez, allez, allez! Pourquoi il a pas sonné ce matin? Pourquoi il a pas sauté? Pourquoi? I hate you so much. Je peux pas me heal, bien sûr. Bon, non, évidemment.
possible? Je fais ça comment, moi? Mais si, mais quand tu les manges par tout petit morceau, tu fais durer. Le jeu triche, j'avoue, le jeu triche en fait. C'est Evil Dead aussi où le jeu trichait. Un demi-malteser matin et soir après le repas. Mais non, mais c'est comme ça, au moins tu prends... Ouais, tu le fais durer. Voilà, je vais manger un demi-malteser. Je suis reparti, je crois. Bon bah remonte. Je vais finir mon malteser. Bon, c'est où, tout en haut? Ça me fait clignoter bizarre. Allez, monte! Mais pourquoi il monte pas? Je le déteste, hein. Ok. Et ensuite... Ensuite, direct. Ensuite, on tombe. Comme ça, on recommence tout. Comme ça, on est bien dégoûté. Appuie sur X, appuie sur X, parce que je ne peux pas là en fait. Ça ne marche pas. Parce qu'apparemment, dans le polymère, on est dans la capacité physique de franchir un ruisseau d'eau douce. Oh, ça dégoûte. Mais non, mais c'est pas possible. En fait, je suis dans une situation où je suis trop souvent... Où je peux trop souvent pas me heal, donc faut que je fasse un truc, mais je vois pas quoi. Je peux pas me heal, je peux pas utiliser mes pouvoirs, je peux pas utiliser mes armes, je peux faire quoi? Juste à part avancer et faire du frame perfect. C'est sûr, là, cette coupe des Smarties en casque pour les faire durer. Oh, ça va, hein! Des fois aussi, je mange comme une goinfre, mais parfois, j'aime. Enfin, la plupart du temps, je vais doucement. J'ai une galère pour toi de manger du couscous grain par grain, mais fermez-la! Oh, vous êtes insupportable! Mais non, mais... C'est... Là, les Maltesers, c'est gros comme ça, un Malteser! Pas obligé de tout gober. Bon, c'est où, tout en haut? On détaque au mieux, oui. Il m'a sorti tous les exemples les plus what the fuck. Je suis coincée, c'est génial. J'adore ma life. Fais-toi plaisir, je... J'étais coincée. Comment ça être chiant quand même, cette histoire-là? C'est peut-être pas le bon endroit, mais... Quand j'étais petit, on avait des pas de lettres. Je les mangeais que quand j'avais écrit des mots complets. Ma mère pétait des câbles. Putain, si je vais manger froid. Mais c'est trop marrant, n'empêche. T'es un génie, Sam. Maman, tu penses que j'ai fait une faute? Mange tes pattes. Arrête un peu. Ok, bah je vais enlever le mot maman. J'ai défoncé les robots, tu attestes. Bon.
Bon, c'est où, tout en haut? Non mais waouh. Là t'es fauté dans l'eau, c'est fini de ta life hein. Non j'ai pas fini, je cherche un V. Maman t'as pas un V? J'ai voulu écrire avalanche, mais allonge, ça n'a pas de sens. J'ai pas mangé une allonge. Ah j'aime trop. C'est un génie ça. Alors les petits robots ça va mais ceux qui me tirent dessus c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Ok. Non, mais... Il est où l'autre? Super. Allez, allez, allez. Mais mince, ça l'a pas visé, pourtant je le regardais bien enfin. Il est où? Mais merde, à chaque fois que j'essaye de pas me prendre, de pas prendre cher, bah, c'est compliqué. Allez! Je pense qu'il y en a toujours qui vont revenir. Mais si c'est pas le cas, ils ok. Oh là là, et puis le parcours là, un sup là, tout pourri! Il faut que je jette des trucs ou pas? Mais oui, il y a un coffre toujours qui fait tellement. C'est sympa! Il est où le coffre? Note ça pour les neveux et nièces, les pâtes alphabet. Meilleure invention. J'ai un bug. Le mot invention m'a fait bugger, je me suis dit mais non on dit pas ça, si si. Meilleure invention, t'inquiète, ok. Ce jeu me retourne le cerveau. C'est toi, d'accord, mais c'est tout. Ok, bon, c'est bon. Is ok, Lux. Dis. Comme Lux dit si bien, exactement. Je lis trop vite. Je me souviens d'une fois où elle avait dit un truc genre... J'en peux plus de ce gamin. Quand il passe pas 4 heures à lire à la bibliothèque, il écrit sa vie sur le bord de son assiette. C'est trop mignon. Elle avait un petit Sheldon Cooper là. Bon, ok. C'était une bonne idée, Vandals, bravo. C'est vrai que c'est un FPS et j'avais pas pensé à simplement tirer sans me poser de questions. C'est une erreur que je ne referai plus, je vous le promets. Ok. Que la fête commence. Tiens! Moi, je t'ai pas vu, toi. Tu me saoules à faire du bruit! Bon, bah, j'ai toujours le bruit de. Ah! Pff, joli!
Il y en a un autre là-bas. J'ai pas envie de déclencher un truc en allant là-bas. Sors shampoo! Je sais plus si c'est la tête ou pas. Je ne sais jamais. Ok, le gros bouton rouge. J'appuie sur le bouton. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton. Ah mince! Je pensais qu'il y avait une vitre. Mais il n'y en a jamais eu. Merci Shampoo pour le follow, bienvenue à toi. Oui, billette. J'en ai marre hein, de cette barrière. Hein. Ah, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Mais d'ailleurs ça, pourquoi ça, ça mène à quelque chose en dessous? Non pas du tout. Que nenni, que nenni. Oh non mais... Ah, je tombe. Eh, monte sur ce truc. Mais il peut pas? Pourquoi il peut pas? Et alors que là il peut? Ça rend dingue! Ça me fait bizarre ça. J'ai cru qu'il y avait un robot nouveau. Non. Ah, et sort hein. Ça maintenant. Non mais bah, putain. Mais oui putain. Qu'est-ce que tu râles toi? C'est moi qui ai des problèmes. Oh là là. Y'a pas un autre moyen de monter? Bah j'imagine que non. C'est un super jeu de parcours. Les polymères. JPP, mais pareil. Oh, il a des mains toutes... Ah non, je crois que c'était la couleur de sa main, ça. Oh, j'allais dire punaise, il a serré vachement son bandana, quand même, hein. Plus par la fenêtre qu'il n'en est pas une. Et du coup c'est Sarah Foy. Hein. Sarah Marina. Marina Foy. Et polymère d'oui. Non non je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Mais il a pu le faire, ce petit bâtard là. Non mais oh. J'ai un nouveau plan, cartouche thermique. Déjà débloqué, super. Bah tant pis. Du coup j'ai rien fait d'intéressant en vrai là. En fait, je suis montée là pourquoi? S'il faut que je monte plus haut. Moi ouais, c'est juste ça. Ah pour save ici, non non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de queue tru. Mais peut-être tout en haut, quand on aura vraiment fini.
Franchement, en vrai, on ressortait. On arrivait par la pelouse, easy quoi. Enfin bon. Bref. Ah, c'est de là que vient le. Oh mince, ce que je peux être bête. Je suis mort à cause de ma bêtise. J'avoue, t'es trop mort et t'es trop bête. Je veux que ça soit gravé sur ma tombe. Écoutez, le prenez pas mal. Mais ils vont sans doute vous balancer dans une fosse commune. Pourquoi ? D'autres gens sont morts ? Ouais, beaucoup trop. Vous en prendrez bien un peu de l'or. Je m'en serais voulu de faire cavalier seul. Plus on est fou, plus on rit, pas vrai ? C'est vrai, clairement. Ça fait comme ça, ok. Et si je fais... Ah mais j'ai que celui-là avec lequel je peux jouer ? Oh, oh. Et je pourrais le déplacer que de là à là. Est-ce que je peux déplacer ceux qui sont tout en haut ? Parce que bah faut que je les atteigne en fait. Non mais je vais pas sauter à chaque fois, faut pas... Vraiment ? C'est ça que t'as prévu le jeu ? C'est que je me fastidie à chaque fois à sauter ? Ah ! Bon bah très bien. Ah y'a pas besoin en fait. Juste je fais ça. Et genre... Alors je fais... Mais il m'en manque... Ah oui là je l'avais pas vu. Il n'y en a pas d'autres. Ah, du coup, ce serait comme ça. Ça m'a fait quoi de faire ça? Ça fait que t'imagines ça marcherait pas sinon. Je suis dehors. Revenir au hall. Quoi ? Faut que je redescende ? À 53 mètres de dénivelé. Oh, moi je le sens bien là. J'avais pas peur, hein ? C'est risqué. Moi j'avais pas peur. Faut que j'aille par où ? Bah je sais plus moi. Ah si, là-bas la porte. Qui me bloque là, ça me fatigue, ça me tient. On peut faire R à ce qu'il faut faire avec les lignes. Faut faire en sorte, en fait tout en haut des, enfin tout en haut là c'est tout en haut mais d'habitude c'est souvent de gauche à droite. Et ben il y avait un truc qui m'indiquait comment ça devait être au final, c'est à dire combien, bon quelle couleur devait être la boucle finale au niveau des lasers, le dernier point. Et en gros là il fallait que tout soit bleu. J'explique mal, je pense. Mais en gros, c'est ça. Je peux fermer la porte ? J'ai pas l'impression. Je me fais soulever ? Mais y'a pas eu de sauvegarde ? Oh, super.
je vais tellement giga die quoi. L'autre côté de cette salle, non mais c'est horrible là, je vais me retaper tout ça vraiment. Il y a peut-être une sauvegarde au moment où j'ai fait le verrou ou je sais pas quoi. Non, Envy, je pense que c'est... Enfin, de toute façon, même si Envy, il arrive à 2h du mat pour me dire tiens, viens, on va faire un jeu et tout. Je vais devoir refuser puisque demain je vais à la Medinazia donc il faut que je me lève tôt. Non, c'est bon. Franchement, je le tire. Franchement, rien à battre. Et toi, t'es passé à travers, t'aurais pas dû, toi. Mais il est au courant. Non, mais non, peut-être pas. Mais il va s'en rendre compte, hein. Je lui dirai, et puis c'est tout. Mais il m'a pas envoyé de message. Je lui ai envoyé un message, il m'a même pas répondu. Enfin non, c'était pour lui dire un truc anecdotique, j'avoue. Fait rire ce robot. Il faut que j'aille là-bas. J'ai bien raté. Mais il se cache ? Un AIM ce soir ? Impressionnant. Ça fait mal à chaque fois que je le tape. Tu t'es arrêté alors, hein? Bon, okidoki. Pas là du tout. Petite sauvegarde et puis on va là où on me dit d'aller. Ah oui, c'était là. Là, c'est vous, oui, deux secondes. Je faisais ça, c'était prévu, t'inquiète. Voyons si ce truc peut nous aider. Ouais, je comptais les looter, mais je voulais tout checker avant. Ok, c'était vraiment volontaire que ça fasse ça ? Ah oui, c'était pour pouvoir monter. Ça le fait, ouais. D'accord. Ah, pas dingue la méthode, hein, mais ok. Mais il y a un coffre que j'ai pas fini de loot. Les façons de looter en inspirant tout, l'idée est excellente. Alors oui, je trouve ça sympa.
Mais je trouve ça chiant de devoir régulièrement relooter un truc que t'as looté parce que t'as pas tout pris comme là. J'avoue que du coup, bah tu passes à côté de nombreux trucs, surtout quand tu t'en rends pas compte au début. Et c'est un peu dommage. Moi je trouve. Tiens, tiens, c'est quoi ça? Tereshkova, tu me reçois? 5 sur 5, camarade. La communication est rétablie. Bon, elle est où votre caboche? La mienne? Sur mes épaules. Celle de Claire doit se trouver quelque part à votre étage. Comme je disais, quelque chose l'écrase avec une force terrible. Comme une bonne migraine quand un marteau-piqueur vous vrille les tympans. Ça va, j'ai compris. Arrêtez de pleurnicher, ça me flanque la migraine aussi. Oh, tu me... Arrête de pleurnicher, toi. Arrête. Ah là là, je suis j'entends, j'ai envie de compter ça, c'est cool. Pardon, je me suis un petit peu emportée. Est-ce que je ferais pas le Dominator? Oui, je pense. Hein. Voilà, est-ce que je pouvais le faire? Merci de sélectionner la procédure désirée. Mais ouais, mais je suis revenue en arrière, mais sauf que échappe, bah ça quitte complètement. Ah, je l'ai pas fait? Dans mon coffre, oui. Je pense que je vire le petit flingue parce qu'il est quand même pas fou. Il est très très mauvais, pourtant j'ai amélioré, mais il est quand même mauvais. Ça, il n'y a pas besoin. Et ça... Oh, je peux pas le tourner? Really? Ça va être chiant, ça. Voilà. Hop là! Ça y est, ça trie automatiquement. C'est une turbine dans la main et c'est 40% du poids du PC. Une turbine? Turbine de quoi? Toujours pas de Kalashnikov. Mais oui, c'est fou! Mais d'accord, regarde, t'as vu la quantité de munitions que j'ai pour les Kalashnikov, mais... Est-ce qu'on peut en débloquer une au moins? Oui, elle est loin hein, dans les... Je crois qu'elle est dans les derniers. Mais je pense que parfois je vais en démonter quelques munitions. Hein, pour avoir du matos, pour me faire d'autres munitions notamment. Voilà, je vais démonter un stack. Ça me fait un peu de trucs quand même. On va se faire du coup des munitions de fusil à peupon. Merci de sélectionner la procédure désirée. Tu vois, pour le polymère, je dois en avoir un petit peu là. Oh, pas tant que ça, mais un petit peu. Comment la distance? Ah ouais, ça c'est bien. Parce que je me rends compte, bah, typiquement là, le robot d'avant, j'étais trop loin à chaque fois. Partie de la charge inflige des dégâts aux ennemis proches. Mais ça aussi, c'est bien, je prends. Hein. Franchement, j'y vais, l'électricité, je m'en sers beaucoup. Voilà, on est tombé sur des ennemis qui ne craignaient pas, mais de manière générale, c'est quand même useful. Engelure. Neutralise les dégâts de feu subis. Ah, c'est bien ça. Subis des dégâts supplémentaires une fois que l'effet de chef se dissipe. Ah non, je veux pas utiliser mes PV à la place. Merci de sélectionner la procédure désirée. Je vais voir si je peux améliorer mon petit flingue électrique. Parce que je m'en sers tout le temps. Réduire la consommation. Ah bah oui, je veux ça. Je
Générateur d'IEM. Oh! Ça aussi, je veux. Non, mais dis donc, là. Canon. Là, je peux pas, ça. Mais là, je peux l'améliorer ou pas? Ampérage améliore la cadence de tir. Ok, il commence à être pas trop mal, lui. Compensation qui permet de diminuer tout recul excessif. Go. Et pour ça, bah, on va la tester un petit peu avant. Et on l'améliorera. Ça va sûrement demander pas mal de compos. On verra ça après. Je regarde en cours. Oh, elle est belle cette image. Avec... Regardez mon flingue, comment il... Ça brille, c'est beau. C'est beau. Ah ouais, mais j'ai vu ça. C'est The Queen's Gambit. The Queen Gambit. J'ai vu. Ah, va le défoncer. La défoncer. Allez. Pardon, excusez-moi. On dirait un labyrinthe pour les gosses. Ça va être du gâteau. Les mines qui vont te manquer pour le boss final, mais non. Au pire, j'en fabriquerai. Faut que je fasse quoi, alors? Oh, c'est... D'accord. C'est un petit marble, là. Faut que je la mette où? Parce que je ne vois pas, en fait, de... J'imagine que c'est de l'autre côté, mais... Faut que je la mette où, la boule? Le truc au milieu est carrément en haut, donc je peux pas. On est du genre bondissant, hein? Mais tais-toi. Faut que je la mette de l'autre côté? Peut-être. Ah, ça y est, ok, on a trouvé. Peut-être sortir la manette là. Un trou lumineux, ouais, j'avais pas vu. Ah, mais je peux pas passer ici. Ah, si, je peux. Ah non, je peux pas. Faut que je passe où? Comment je te fais tourner, toi? Mais comme ça. Oh, faut... Ah si, ok. Tout là-bas. Ok. Hey, je crois que j'ai pigé. Oh, tais-toi! Oh, tu veux... Hey, hein? Pourquoi? C'est quoi ce stress que certains devs ont de nous laisser un peu de silence? Enfin, certains devs, je sais pas si ça vient vraiment des devs, c'est plutôt de... Ah, on progresse. Voilà, ça c'est pas nécessaire. Il y avait pareil dans Hogwarts Legacy. Donc je continue en live, mais je sais pas si je finirai en live. Avez-vous la moindre idée de ce que vous faites, Major? Mais fermez-la! Et où du coup, elle répète sa même phrase constamment quand tu cherches un truc, histoire de, je sais pas, pour faire du remplissage. C'est pas nécessaire et ça prend la tête, mais un max. Oh, c'est... On va dire que c'est bon, hein. C'est vrai que je peux faire pivoter. J'avais oublié. Je veux pas le trou. Ah, une petite minute. Non, non, non. Ouais, j'aurais pas dû aller direct là comme ça, faut que je fasse. On peut un peu tard.
C'est vraiment si difficile? Non, je suis pas difficile, c'est un peu long. Oh non. Putain de bordel de méchoui de merde! Tais-toi! Nom de... Écoutez, Charles, je vais rien dire, mais fermez votre gueule. Mais là, il parlait pas. Il a parlé il y a genre 5 minutes. Je les déteste tous les deux, mais plus lui, comme. Je t'ai eu. Ha, trop bien, trop facile. Pas fait exprès. Oh, ça va être stylé, ça. Les poisons ouvraient d'une façon nonchalante et cynique. Nonchalante. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride. D'où sortaient de noirs bataillons de larves. Je suis tombée, je voulais pas tomber. Liquide, le long de ses vivants. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait. Je veux remonter. Et ce monde les escaliers, Locke, les escaliers, calme-toi. Comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Typiquement, Locke dans Horizon ou Atreus dans. Ah, j'ai pas le nom. Ils sont insupportables. Tu mets un pied dans un endroit, pas deux secondes de... Oh, je vois, il faut que je clique pour faire ça. Ah oui! Ouais. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu comme ça dans... Oh, c'est insupportable d'entendre parler derrière pendant que j'essaie de vous parler. C'était un petit peu comme ça dans... Comment ça s'appelle A Plague Tale Requiem, si tu mets pas en difficile, il te dit tout de suite ce que tu dois faire. Toi le demande. God of War. Ah d'accord, ok, oui, Atreus, oui. Et ma passion, oui, telle vous serez, oh la reine des grâces. Après les derniers sacrements, quand vous irez. Allez, allez, faut vraiment te taire, toi quand même. Moisir, parmi les autres. Moisir. Bon, moisir. Faut pas moisir ici. Charles, une idée du temps qu'il nous reste? Je ne sais pas exactement, mais pas beaucoup. Moisir. Enfin, j'ai toutes ces pièces. Moisir. Bref, j'ai voulu faire un truc et j'ai raté. Tant pis, le sample, on verra tantôt. Je me tire. Ça m'a saoulé dans le Plague Tale, j'ai joué en normal. Ouais, j'ai choisi difficile vraiment que pour ça, parce que je voulais pas spécialement du challenge dans le jeu, mais ça, j'avais... Ça, il y a des streamers qui prévenaient quand je regardais les tout premiers pas de quelqu'un. Du coup, je fais OK. Understood. Atreus, ok, mais à l'œil, attention, on sent des crises. Ça va? Bah après, hein, si elle jacasse, elle jacasse, hein. Donc, quand le on va pouvoir avoir une option pour dégager ça. Ouais, je suis d'accord. Il a détruit les modèles bêta, c'est ça? Officiellement, oui. Déjà que lui, là, je peux pas lui faire fermer sa bouche. La technologie utilisée pour fabriquer les connecteurs bêta a été détruite. Les bagues expérimentales ont disparu des comptes rendus et ont été déclarées recyclées. Pourquoi se donner tout ce mal? Il ne voulait pas détruire la moindre pièce où elle travail. Met le pied. Le docteur Setchenov les a conservés en tant que souvenir. Dans les deux? C'est chiant. J'avais joué un peu au premier, mais il y avait trop de soucis techniques quand il était sorti sur PC. Puis après j'ai un peu arrêté le. Elles sont où maintenant? Elles se trouvent dans le centre scientifique du site 3826. Mais apparemment, elles ont. J'en ai fait qu'un. J'aurais dû en faire plusieurs. Bon tant pis. Apparemment. Vous voyez bien ce qui arrive, non? Personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé. Les bagues pourraient être dans un laboratoire, ou avoir été détruites par un robot. Elles serviront à rien dans Collective. Le docteur Setchenov et ses gars pourront résoudre tous les problèmes sans avoir à les utiliser. Je suis un peu plus d'accord. Voilà, donc là on sauvegarde maintenant qu'ils ont arrêté de jouer ça. Attendez.
M'éclater. Je me tire. Si. Ah, je peux pas. C'est foutu. C'est foutu. J'essaie un truc. Aucun de ces jeux n'est spécialement difficile. Le but, c'est pas 2 heures sur une énigme. Passer du temps à réussir. À passer, mais pas à comprendre. Ok. Ouais, non, ça c'est très très chiant, effectivement, quand le jeu te dit de base ce que tu dois faire avant même que t'aies même juste vu la pièce. C'est genre. Ça m'est arrivé dans plusieurs jeux, ça. Je voulais tester mon nouvelle arme. Marche pas de fou. Enfin, pas avec le shield, quoi. C'est la faute des Casus, AFA 90, les jeux étaient durs niveau énigme et personne ne râlait, mais maintenant tout doit aller très vite. Les joueurs n'auront plus de patience. Donc dans le jeu tout est facilité. Que les jeux soient accessibles, ça c'est pas un problème. Je vois pas du tout en quoi c'est un souci. Mais encore une fois, dans ce cas-là, faudrait simplement pouvoir choisir, tout simplement. Si on puisse se mettre un mode avec... avec aide ou astuce ou je ne sais quoi, et sans. C'est pas la faute des Casus si les développeurs ne font pas cet effort. C'est vraiment pas du tout la faute de ça. Et après, bah, c'est simplement... c'est même pas les gens qui galèrent sur les jeux comme ça, c'est même pas spécialement les Casus, c'est avec les joueurs qui veulent que ça aille très vite. Et souvent, ceux qui veulent que ça aille très vite, c'est les gens qui jouent souvent à des jeux vidéo. Parce que les gens qui jouent peu à des jeux vidéo, souvent, bah, ils prennent simplement leur temps, ils mettent du temps à comprendre, ok. Mais vraiment, ceux qui speedrun les jeux, c'est le fameux « il faut que ça aille vite », c'est très souvent les gens qui jouent à beaucoup de jeux, au contraire. Ou qui n'ont pas l'habitude des types de jeux qui leur posent des énigmes, genre qui ont l'habitude de jeux très très rapides. Mais voilà. Donc faut arrêter un petit peu de taper sur les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, qui jouent peu, qui jouent pour le plaisir, en disant c'est leur faute. Comment pas? J'ai l'impression que les devs prennent les gens pour des gros cons en fait. C'est de ça aussi, hein. Ça, il y a un petit peu de ça, et c'est pas facile d'en sortir, je sais plus, JDG qui parlait qu'il avait discuté de ça avec le développeur, enfin avec une équipe de développement, je sais plus quel type de jeu, je sais plus quel jeu, où il disait justement que, à force de quand tu fais notamment des énigmes et tout ça, et que t'es beaucoup dedans, tu passes ton temps à dire, mais est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce que c'est clair ce que je veux faire comprendre, et souvent... Il va avoir tendance à rajouter beaucoup de moyens de te faire comprendre parce que leur but c'est que leur jeu soit faisable et finissable. Mais du coup, ça fait que ayant la tête dans le guidon, ils se rendent pas du tout compte que oui, on a compris. Mais ça, on a ça aussi même dans certains films, hein, ce délire-là. Dans beaucoup de films, je trouve d'ailleurs, où on va vouloir sans cesse nous expliquer des trucs que tu comprends simplement en voyant, mais où on va essayer de dire hey, t'as compris, hein, c'est en fait ça, hein. Et ça, je pense que c'est un problème de... C'est un problème qui touche plusieurs types de créateurs quand ils ont un public et qu'ils veulent amener le public dans leur truc. Et ben, notamment quand c'est du tout public ou quasi. Et ben, effectivement, ça... Il y a le côté tête dans le guidon un petit peu. Je suis vraiment devenue une tricheuse.
Ah, ils essayent de faire le tour pour me choper par derrière. Coquinou, va. Oh putain, elle est revenue! Ouais, reviens, Michel! Oh non, voilà, bah attends, attends, tu vois le beau. Il fait beaucoup rire. Non, j'ai pas le temps d'esquiver. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, Sam, le côté aussi, les jeux sont chers et on veut rentabiliser l'expérience utilisateur. Qui fait un peu de munuing dans les créations des persos, qu'ils implémentent une option de départ, délai avant astuce, 1, 2, 3, jamais. Ouais, ou simplement c'est ça. Vraiment, une option genre, jeu avec astuce, jeu sans astuce. Si le jeu est prévu avec l'astuce, bon, mais voilà, on le dit, on explique en disant... Notre jeu a été prévu pour que le joueur puisse être aiguillé par les personnages qu'il rencontrera. Si vous voulez désactiver cette option, vous pouvez appuyer là-dessus. Là. Mais en fait, il y a tout le monde là. Ça me saoule. Franchement, je crois que je vais juste courir. Ça me fatigue, en fait. Non, mais un sup. Oh là là, mais j'en ai marre. J'ai déjà vidé cette zone une première fois. Ça n'a aucun sens de devoir le refaire. Ah, c'était ouvert ça avant. Je crois. Oui, c'était ouvert. Bon bah tant pis. Hein. Ah non, c'était celle-là qui était ouverte. Je me garde en cours. C'est pour ça qu'elle a sorti... Attends. On est surtout passé à l'ère du full jetable. C'est pour ça que les jeux stratégie gestion sont devenus une niche. Bon, ça, c'est une question. Ça dépend de ta consommation et du type de jeu en fait. Un jeu, une fois que tu l'as fini, bah tu peux le refaire autant que tu veux si t'as envie. Mais quand un jeu est finissable, il est finissable. Après, y a quand même des jeux qui ont 15 ans d'existence et qui continuent à exister quoi. Donc, je sais pas. C'est plutôt qu'on a une consommation de jeux. Je pense, comme film, série, machin, qui est beaucoup plus riche qu'avant. Beaucoup plus riche dans le sens où on a de tout à dispo tout le temps, à des sorties tout le temps. Et effectivement, bah, je pense que c'est pour les développeurs, il faut se faire une place là-dessus. Il faut surtout pas faire de bad buzz, donc je pense que ça joue là-dessus. Mais après, pour moi, stratégie gestion, ça a toujours été une niche, franchement. En tout cas, quand j'étais gamine dans les années 90, bah ouais, c'était déjà pour moi une niche. En tout cas, c'était pas le jeu, les types de jeux très communs auxquels tout le monde jouait. Là où par contre, t'avais déjà des jeux qui étaient des jeux un peu auxquels on avait tous touché, machin. Les premiers Mario, les premiers Sonic, machin. Donc ça, pour moi, ça change pas. Mais après, ouais, on consomme beaucoup de jeux. Donc il y a aussi le truc de... savoir plaire, savoir se faire une place, savoir donner de l'envie aux gens et tout ça quoi. Je cible les cartes du car sur World of Warcraft, c'est à cause d'eux que le jeu a été très facilité. Limite je joue seul maintenant. En fait qu'un jeu devienne accessible c'est pas un problème, c'est pas une mauvaise chose. On va dire que de toute façon... Les gens qui jouent aux jeux vidéo sont pas les mêmes qu'avant. Et maintenant, en plus, y en a beaucoup, beaucoup. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que les développeurs décident d'en faire. C'est toujours ça le truc, en fait. Je me garde en cours. Et rendre un jeu accessible, ça veut pas forcément dire le pourrir. Loin de là, en fait, pour moi. Mais souvent, on va avoir tendance à du coup favoriser certains types de trucs, certains types de gameplay, certains types, je sais pas, de certains types de systèmes et tout ça, internes au jeu.
Ça, c'est plus une question de choix, parce que, je sais pas, parce que ça va rapporter plus, parce que si, parce que ça, parce que c'est... Parce qu'il y a moyen de plus facilement rajouter du contenu, des add-ons, des trucs. Mais ça, c'est des choix de développement, hein. Mais de toute façon, la commu des MMO a changé. C'est comme ça. C'est pas... il y a plus de joueurs. De toute façon, maintenant, WoW, les casus, ça existe. Enfin, on va dire que ça... Il y a pas de nouveaux casus qui arrivent sur WoW, si ça peut te rassurer, hein. Donc ceux qui jouent à WoW, c'est pas des nouveaux joueurs. Donc c'est des gens qui connaissent le jeu depuis longtemps. Après, on peut... Le fait de pouvoir consommer un MMO de manière temporaire et de pas forcément être un hardcore gamer, je trouve... de manière temporaire, de manière... comment on peut dire ? De manière casual, je trouve que c'est bien. Parce que les MMO, le fait que ça te demande d'y consacrer ta vie, bah c'était... je trouve que c'est pas forcément très sain. Et que bah, c'est juste en fait... là, c'est pas... Je me suis coincé. C'est pas la différence entre casu et pas casu, c'est la différence entre gens qui sont au chômage et gens qui ne sont pas au chômage. Et après, bah, il y a le fait que de toute façon, quand il y a beaucoup de joueurs, la communauté change. C'est obligatoire. Et c'était ça avec vous. Et forcément, vous retrouverez pas... pour retrouver une expérience proche de WoW, déjà, c'est pas possible parce que maintenant, les joueurs sont trop habitués, ils se mettent trop vite au courant et ils essayent trop de faire tout de suite du top level, ce qui est compréhensible, mais du coup ce qui peut un peu nuire à votre expérience de départ d'un jeu. Et puis bah parce que voilà, maintenant les gens qui jouent sont nombreux, quoi. Ouais, il faisait ça tout seul. On va espérer que ce soit bon. Allez. Oh, franchement, j'adore me planter sur un jeu. Je pensais détester Death Stranding et franchement, même si je capte 3% de l'histoire, je kiffe vraiment. Ok. C'est vrai qu'à jouer, ça m'intéresse pas, mais j'ai vu plusieurs fois des streams dessus, c'était sympa. Mais j'arrive pas à me motiver à jouer. Et pourtant, je sais que ce serait, je sais que ce serait une expérience intéressante au moins. Je déteste les jeux sur... Ouais, ça marche pas dans les sens, je suis d'accord avec toi. Parce que se planter sur un jeu que tu pensais kiffer alors que pas du tout, c'est quand même, ça dégoûte et souvent t'as investi des sous. Je l'ai soulevé. Je me garde en cours. Côté neuf du MMO, ça date du modèle de WoW. Leur système de raid. Ah oui, je sais bien. Je sais bien, mais on parlait de WoW justement. Et moi je trouve ça... C'est bon, voilà. Je sais que de toute façon, sur des jeux comme WoW, sur des jeux où il y a du monde de manière générale, les joueurs se détestent. Donc debout, la belle au bois dormant. Donc bon, je peux pas donner un avis très populaire à ce niveau-là, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose qu'un jeu soit plus accessible. C'est encore une fois, c'est souvent un raccourci, beaucoup de raccourcis pour dire ça. Première séquence du code de lancement généré. Confirmer que les séquences correspondent. Seconde séquence générée. Correspondance des séquences confirmée. Changement du mode d'opération du VDNH. Nouveau mode. Alerte. Insupportable. Je crois que ça a marché. Merci les filles. Merci camarade. Les cinématiques. Écoutez camarade Molotov, je vous en supplie. C'est très dangereux ici. C'est très dangereux. On m'avait pourtant dit que tout était sous contrôle. Ça veut dire qu'on va pas m'expliquer à l'audio cette scène, je vais pouvoir la voir. Problème à régler, mais le major Netchev, pardon. Je veux dire, l'agent P3 s'en est déjà chargé. Et de quoi s'est-il occupé, au juste? Il y a du sang partout, ici. Ce n'est pas du sang, mais de la peinture. Camarade Setchenov, vous jouez un jeu bien dangereux. Bonjour, camarade Molotov. Je ne comprends pas. Quel jeu?
Vous savez de quoi je parle, camarade Sechenov. Vos dysfonctionnements sont en réalité une catastrophe mondiale. Vos robots en mode combat. Il a vraiment une voix qui a l'air plus vieille que son visage, je trouve. Il a l'air d'avoir 30 ans. Mais j'aimerais d'abord savoir comment ces Et quand il parle avec son putain de méchoui, il a l'air d'en avoir 54, quoi. Par Viktor Vassilievitch Petrov, votre ingénieur, un éminent roboticien, doublé Qu'est-ce qu'on fait de là, très honorable. C'est ce qu'il était avant. Aujourd'hui, c'est le prisonnier 230385, condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Sur votre ordre, vous avez directement enfreint nos lois soviétiques. En tant que ministre, ministre de l'Industrie, vous en connaissez les conséquences. Voici le mandat du procureur général. Le lancement à venir du réseau neuronal collectif est annulé. Et vous allez vous-même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Sechenov ? Camarade Molotov, pourrais-je vous dire un mot en privé ? Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit ? Bien. Je vous retrouverai ici dans 15 minutes. Michael, rendez-vous à l'aire de décollage. J'aime bien comme on arrive comme un cheveu sur la soupe, genre personne s'occupe de nous. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver votre maître ? Stockhausen, si, semble-t-il. Ça ne va pas, Major ? Je vous ai posé une question ! Pourquoi il parle pas ? Lui qui a toujours tant de choses à dire. Que se passe-t-il ? J'ai dit verrouiller la porte. Je comprends rien. je comprends rien du tout. Ça, ta tronche est belle. Après, il a du style, mais je trouve que le style ne correspond pas du tout à l'audio qu'on a. Et même au texte, en fait, à tout. Ça correspond pas. Bon. Et bah c'est là que je vais arrêter la VOD. Bisous VOD. C'était Atomic Heart. Papa.